as un conseil avant la bataille ? Un conseil ? Un vieux sage m'a dit un jour de viser haut, mais de faire attention aux boîtes volantes. Hein ?
Merci de ton aide, Spiro. Bon courage.
Spiro. Je t'ai pas déjà libéré? Tu es dans le monde de Knasty, Spiro. Et c'est toi le dragon qui doit le battre. Qu'il y vienne! Je suis prêt! Attends la sortie dans chaque territoire de Knasty. Et tu pourras défier le Gnork en personne. Je t'emmène.
Continue comme ça, Spiro. Gnasty doit commencer à te trouver vraiment inquiétant. Je tremblerais dans mes bottes de Gnork si j'étais lui. Je n'espérais plus de secours, surtout de la part d'un petit dragon. Ce que je voulais dire, j'ai toujours cru en toi, Spiro. Et tu fais bien.
de m'avoir secouru. Commando Gnork, Spyro. C'est plutôt à eux de faire attention.
Adieu, Gnork. Désolé d'avoir mis si longtemps. Je vous avais un peu oublié. Et pour Gnasty Gnork? Gnasty Gnork, il est cuit. Et maintenant l'ordre règne de nouveau au royaume des dragons. Dans l'ensemble, j'ai encore des trésors à retrouver. Que feras-tu ensuite? On dit que le ciel n'a aucune limite.
Basti n'est qu'un mauvais souvenir. Alors, qu'a-t-on là-dedans? Je crois que c'est la salle du trésor de Gnasty. Mais la porte ne s'ouvrira que si tu as tout trouvé dans le royaume des dragons. Reviens quand tu auras atteint 100%.
Gnasty n'est qu'un mauvais souvenir. Alors, qu'a-t-on là-dedans? Je crois que c'est la salle du trésor de Gnasty. Mais la porte ne s'ouvrira que si tu as tout trouvé dans le royaume des dragons. Reviens quand tu auras atteint 100%. Yeah.
Tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ce gnork avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire. C'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu, mais une charge t'en débarrassera. Tu veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh, ton secret est bien gardé avec moi.
Un mot d'avertissement, mon petit. Attends d'être aussi grand que... moi, avant de charger ces grands ennemis. Il y a des grands gnorques là-bas qui portent des armures. Et dans les cavernes de glace, leurs bottes en métal glissent beaucoup. Merci de m'avoir libéré.
Tu as fait du bon travail, Spyro. Certains dragons pensaient que tu n'étais pas prêt, mais je savais qu'ils se trompaient. Je suis toujours prêt. Prêt pour quoi ? Merci de m'avoir libéré, Spyro. Alors, où en étais-je ?
Spiro le dragon. Tu as vaincu Gnasty Gnork. Trouvez les œufs de dragon, sauvez tous les dragons et retrouvez tous les trésors du royaume des dragons. Comment te sens-tu? Je suis en feu, Bob. Et je suis content pour le royaume des dragons, bien sûr. Je n'aurais pas voulu passer le reste de mes jours à tomber sur Gnasty Gnork et ses sbires farfelus. C'est quoi un sbire? Oh, oublions ça. Tu sais ce qu'on dit. Pour qu'il y ait un beau combat, il faut un bel adversaire. Et je pense que Gnasty, aussi méchant soit-il, était un bel adversaire. Oh oh, c'est reparti!